couleurs, en fait, qui étaient c'est la décomposition des légumes. Oui, 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 là, oui, c'est oui ça. Mais en fait, il avait deux cœurs, une en dessous pour le pied de verre et en haut pour mettre le compost. D'accord. Alors moi, je n'ai pas trop entendu parler de pipi de verre de terre, mais bon, on va voir. Et alors, est-ce que vous, je sais pas, est-ce que parmi vous, il y a des apiculteurs, par exemple? Non, tu sais, les gens qui s'occupent des abeilles ou qui ont des ruches. Ah, pas l'été, moi. Ah, oh, oui, moi. D'accord. Toi, tu mon papy, il a cinq ruches dans son jardin. Il a cinq ruches. Moi, je l'ai juste donné, c'est pas pareil. Ah, mais bah, c'est super aussi. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on a choisi les abeilles et les vers de terre ensemble? Il faut quoi notre défense de leur... Pourquoi notre monde dépend de leur survie? Parce que sans les abeilles, on n'aurait pas de fleurs, on n'aurait pas de fruits, de légumes. Et les vers de terre, je sais pas. De transformer tous les déchets, les feuilles, les branches, etc. En fait, ils sont ensemble parce qu'ils partent de la terre, les après les plantes elles poussent et après eux ils font les abeilles font les gars aussi. Et tout ça finalement fait toute la nourriture que nous mangeons. Mais les vers de terre, c'est des vers qui sont dans la terre, est-ce que ça marche pareil avec la pomme de terre, c'est une pomme qui est dans la terre? Non. Oui, on peut dire ça, c'est la même image. Les gars aussi parce qu'elles nous. Elle nous lave la nature des cadavres d'insectes morts. Ah oui, d'animaux. C'est vrai, elle dégrade aussi. Et puis elle pollinise aussi. Mais quand on va essayer de faire ça dans l'ordre. Est-ce qu'on peut passer sur notre première main? On va essayer de voir alors quels sont nos grands amis. Voilà. Et peut-être rester sur les gros plans. Là. Alors non, là après. Encore. Voilà. Pour savoir de qui on parle. Donc là, on a voulu faire une planche un peu, on va dire, anatomique pour les voir en gros plan, parce que souvent on ne peut pas trop les regarder. Et donc, je voulais montrer à quel point ces animaux sont adaptés en fait, à la fonction qu'ils remplissent. Donc l'abeille, son travail principal, en tout cas le service qu'elle nous rend, en butinant, c'est-à-dire en allant chercher sa nourriture dans les fleurs, elle permet aussi la pollinisation, c'est-à-dire le transport du pollen d'une fleur à l'autre, ce qui va donner des fruits, on va le voir tout à l'heure. Et ça fait 100 millions d'années que les abeilles existent, et 100 millions d'années qu'elles se co-développent avec les fleurs. C'est-à-dire que les fleurs et les abeilles ont évolué en même temps, et ont changé en même temps pour devenir parfaitement adaptées l'une à l'autre. Alors, par exemple, l'abeille, elle a une trompe qui est télescopique, c'est-à-dire qu'elle a une petite trompe et puis ça s'allonge et sort cette deuxième partie qui se termine par une petite cuillère. Et avec cette petite cuillère, elle peut aller ramasser ce qu'on appelle le nectar. Vous avez déjà entendu parler oui. du nectar? C'est un nectar. Pour elle, c'est un jus qui est très sucré pour elle. C'est ça, et que produisent naturellement les fleurs avec leurs glandes nectarifères à la base de la corolle. Donc par exemple, elles ont ça. Elles ont des antennes qui sont percées de plein de petits trous et qui leur permettent de capter les effluves des fleurs, leurs parfums, de les reconnaître, donc de savoir où se trouvent les sources de nourriture. Elles ont aussi des yeux, et leurs yeux sont faits avec des facettes, c'est-à-dire des petites parties. Alors, l'image n'est pas très précise, mais chaque œil est fait de 4500 petites facettes, c'est-à-dire un œil tout simple, et puis un œil tout simple, et un œil tout simple. On imagine qu'ils sont tout petits, il y en a 4500. Et ça leur permet, en fait, de voir derrière elles, sur les côtés, attends, je finis, sur les côtés, devant, dessous. Voir très très bien en fait où elles se trouvent et aussi les sources de nourriture. Chacune d'entre elles est complètement couverte de poils, ce qui lui permet d'accrocher aussi les grains de pollen quand elle visite les fleurs. Les pattes ont toutes des petits crochets qui leur permettent de se tenir. Alors, il y a des pattes qui ont des ventouses et des pattes qui ont des crochets au bout pour s'accrocher aux branches ou se ventouser
par exemple, sur une surface plus lisse, comme un tronc d'arbre, par exemple. Ça, c'est leur abdomen, c'est-à-dire là où se trouve toute la partie qui va leur permettre de respirer. Et elles ont des... Vous savez comment elles respirent les abeilles, elles n'ont pas de narines. Elles ont des petits trous dans leur abdomen et l'air rentre par là. Donc ça, c'est l'abdomen, le thorax, pardon, excusez-moi. Le thorax et l'abdomen qui est là, qui contient tous leurs viscères, leur estomac, leur intestin. Ces pattes arrière, elles sont équipées ici d'un petit creux qui va leur permettre de tasser les réserves de pollen. Quand elles vont récupérer des grains, elles vont les tasser ici pour les rapporter à la ruche. Et on termine par cette petite dard. Pointe qui s'appelle le dard, exactement, et qui sert à piquer. Ah, c'est pour ça qu'elle oui. Dit que, mais aussi les yeux, ils ne servent pas qu'à... Ils servent aussi à voir le soleil à travers les nuages. Exactement. Et à voir le système du soleil et de la Terre, ou un truc plus alors, genre. Surtout à se repérer dans l'espace. Oui. C'est-à-dire que quand elles volent, elles sentent la lumière du soleil, et si elles s'inclinent, elles sentent moins la lumière du soleil sur l'œil qui est à l'ombre, ce qui leur permet de se stabiliser et de voler à l'horizontale. C'est ok? Tout va bien? Oui? Attends, moi j'ai entendu quelque part que le terme servait à piquer mais pas à se sentir en danger. Tout à fait. Alors, on passe un petit peu, parce qu'il y a, il y a toute une page où effectivement ça montre comment elle pique et ce qui se passe quand elle pique. Je sais. Attends, tu me laisses. Je voudrais juste. On peut passer au ver de terre? Oui. Pour voir comment il est fait? Oui. Le ver de terre, c'est un ensemble de 150 petits compartiments qu'on appelle des segments. Toc, toc, toc. En fait. Oui, 150, à peu près. Ça dépend des vers. Mais notre lombric commun, la bouche est ici. En fait, de bouche, c'est surtout une ouverture qui permet d'aspirer des morceaux de feuilles. Et donc, les morceaux de feuilles rentrent là, passent dans ces segments dans lesquels il y a l'œsophage. Ça commence la digestion, c'est un petit compartiment où commence la digestion. Il commence à broyer les petites particules de feuilles ou les petits débris organiques qu'il a avalés. Dans cette partie-là, il y a aussi 5 cœurs. 5 cœurs ? Il a 5 cœurs pour envoyer le sang tout au long de son corps. Des tout petits cœurs. Il en a 5 paires en fait même. 5 paires de cœurs. Et qui ne ressemblent pas à notre cœur à nous, mais qui brassent quand même un liquide, un peu l'équivalent du sang, et qui le répartit sur toute la longueur de son corps. Il y a aussi, dans cette partie-là, une minuscule petite tête d'épingle, qui est une glande, qui est son cerveau. Le cerveau du... Il a un cerveau, il est tout petit, tout petit. Et puis, après, donc, il y a une partie où il y a des organes sexuels. Il a les deux. Les vers de terre sont hermaphrodites. Il a des organes sexuels mâles et des organes sexuels femelles. On peut le voir un peu plus loin. Et puis après, tout le reste... C'est la partie où il assimile la nourriture qui est contenue dans la terre, puisqu'il avale de la terre aussi beaucoup. Et petit à petit, dans cette partie-là, se passe quelque chose de magique, qui est le mélange entre le reste de ce qu'assimile le ver de terre, et puis des enzymes, des très très petits organismes qui sont dans ses intestins, et qui vont fournir ce qu'on appelle l'humus, c'est-à-dire une terre très très riche, très chargée en minéraux, que vont pouvoir assimiler les plantes. Et bien sûr, ça sort à l'ombre par son anus. On a appris que les vers de terre mangeaient que les bactéries. Les trucs... les microbes. Ouais, les microbes. Alors, ils absorbent ça en absorbant de la terre. Oui. Voilà. Et ils mangent, ils mangent pas que des bactéries. Ils mangent aussi des bactéries. Les bactéries, c'est minuscule. Mais surtout, ils se nourrissent de matière organique, c'est-à-dire de la feuille pourrie, des petits morceaux d'autres, d'insectes, de petits scolopendres, de choses comme ça. Est-ce que vous savez comment respire un ver de terre? Oh! Il ne peut pas respirer. Il ne peut pas respirer parce qu'il n'a qu'un nez et il n'a qu'une bouche. Mais son nez, il n'a pas de narine. Voilà, il n'a pas de narine.
Ce qu'on appelle le nez, en fait, cette pointe, c'est surtout une pointe qui lui sert à s'enfoncer dans la terre. Mais quand même, il respire. Parce que sinon. Il attrape les branches, il respire par ses petites fils qui sont sur le côté, non? Non, ça lui sert à se déplacer. Alors, sur toute la surface, on ne la voit pas là, mais on les voit sur le dessin, il y a des toutes petites pattes, mais qui sont comme des petites griffes qui s'appellent des soies. Il y en a 8 par segment, et c'est ça qui lui permet de s'avancer sur la terre. Mais c'est pas ça qui lui permet de respirer. C'est l'humidité. Alors, l'humidité joue un grand rôle. Tu le sais? C'est par sa peau. En fait, sa peau est percée de plein de petits orifices, un peu comme les pores de notre peau. C'est pour ça qu'il a des traits? Non. C'est le non, les traits, c'est des segments. Mais des minuscules trous invisibles, et c'est par là qu'il respire. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'être toujours complètement humide, que sa peau soit hydratée. Un ver de terre qui est sec, c'est un ver de terre qui est mort. Et il faut qu'il soit humide. Et alors sa peau produit une sorte de ce qu'on appelle un mucus, un peu comme ce qui nous coule du nez quand on est enrhumé. Et ça tapisse sa peau, et ça lui permet d'une part de progresser dans la terre facilement, mais aussi de conserver sa peau humide pour pouvoir respirer. Et quand il est dans l'eau, il peut continuer à respirer un peu tant qu'il y a de l'oxygène dans l'eau. Tant qu'il y a de l'oxygène dissous, par exemple s'il pleut très très fort et que l'eau envahit ses galeries, alors il peut continuer à respirer. S'il reste trop longtemps dans l'eau, il se noie au bout d'un moment. Quand il n'y a plus d'oxygène. Oui. Mais tu dis dans l'eau, est-ce que ça veut dire qu'il peut aller dans une flaque? Mais ça veut dire que si une flaque un peu profonde, mais... Tant qu'il y a de l'air dans l'eau, il va survivre. Si, même si l'eau est très profonde, mais il faudra sortir à un moment. Oui, mais si il a tout le temps de l'air dans l'eau et qu'il va rester dans l'eau parce qu'il a tout le temps ça, je sais ça veut dire qu'il a des bouteilles d'oxygène. Non, ça veut dire qu'il a pas de bouteilles d'oxygène. On peut passer une image, non? J'ai rien dit. On regardera après si tu veux. Oui. C'est sur le thermomètre, sur l'image d'avant. Oui. En fait, pourquoi un bactéries elles sont tout au bout, alors que sur d'autres animaux qui n'ont pas de pattes, et ben c'est sur les trois quarts. Et ben c'est comme ça. Lui, il est fait, c'est un espèce de grand tuyau. Il mange un bout, il fait caca à l'eau. La nature l'a fait comme ça. C'est ici là. On regardera sur mon ordinateur, ce sera plus précis. Voilà. Donc là, je voulais raconter justement le rôle que joue l'abeille et le ver de terre. On pourrait dire à notre service. Ils nous rendent d'immenses services et c'est pour ça qu'on doit les protéger. Mais eux, ils vivent leur vie et l'abeille, par exemple, son but, c'est d'aller chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du nectar qui va se trouver ici à la base de la corolle, du pollen qui va se trouver sur les étamines, là. Donc, elle va rentrer dans la fleur pour aller chercher le nectar qui est là. Et le pollen va se coller sur tous ses petits poils. Elle va aussi en récolter, elle. Elle secoue les étamines, elle les mord et elle les secoue. Et elle ramasse ce pollen. Ce faisant, son corps donc se couvre et elle passe dans une autre fleur. Et elle apporte ses grains de pollen qui touchent ici, qui rentrent dans le conduit qui mène à l'ovule de la fleur. Tout ça se passant sur un même arbre. Là, on peut imaginer que c'est un pommier, par exemple. Donc, les grains de pollen d'une fleur rentrent et viennent féconder cet ovule. Et cet ovule deviendra le fruit ensuite. Et c'est comme ça que naissent tous les fruits qu'on mange. Qui naissent les courgettes, qui naissent les fraises, qui naissent les pommes, les cerises, etc. Pas d'abeilles, rien de tout ça. Ça là, tu vois, on voit les pétales, et puis à l'intérieur de ce pistil qui est là, et ici, il y a une petite graine qui attend d'être éclairée par un grain de pomme.
tellement important, le lambris, qu'on les sols, que les gens, les biologistes, l'ont appelé une espèce ingénieure. Tellement il structure le sol, et tellement le sol lui doit de son caractère riche qui va lui permettre de nourrir les plantes. Alors donc, lui, il va creuser des galeries. Les vers creusent des galeries différentes selon leurs espèces. Peut-être qu'on vous l'a expliqué. Il y a des vers de surface qui sont dans les tout premiers centimètres. Il y a des vers de moyenne profondeur. Et puis, il y a nos amis les lambrics qui, eux, peuvent creuser des galeries jusqu'à 2 mètres de profondeur. Dans la pierre ? Non, dans la terre. Ben oui, il y a aussi des pierres dans la terre, mais les contours, ils ne sont pas la bête. Quand ils trouvent une pierre, ils contournent. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a peu de vers de terre dans des sols très très caillouteux, parce que ça devient difficile de vivre là. Il faut que le sol soit quand même riche. C'est pareil dans le sable, il n'y a pas de vers dans le sable. C'est pareil dans les terres qui sont très compactes, comme la glaise par exemple. C'est difficile à creuser. Donc ils creusent des immenses galeries verticales pour les lambris, dans lesquelles ils font des petites chambres à certains endroits. Là on n'en voit pas trop, mais des petits, voilà, par exemple, comme ça, en bout de galerie. Et là-dedans se développent énormément d'autres petits animaux microscopiques parfois, comme des bactéries, dont vous avez parlé tout à l'heure, comme des microbes, là on voit agrandis. Et du coup, ça crée des espaces de fertilité très importants. Et alors, j'avais écrit que par exemple dans un hectare de prairie, on peut compter jusqu'à 2,5 tonnes de lombriques. Avec 250 000 lombriques, avec la terre qu'ils avalent, c'est à un tel rythme que le sol d'un pays comme l'Angleterre est renouvelé en 50 ans. Ça passe par l'estomac, l'intestin d'un lombric, tous les 50 ans. Est-ce que c'est bon ? On peut changer ? Alors, ça c'était une page qui s'appelle Habiter, pour expliquer justement où est-ce qu'ils habitent, et notamment alors l'abeille domestique, parce qu'il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, il y en a 1000 en France, et il y en a 2 qui sont domestiques. Ces abeilles domestiques, elles sont aussi des abeilles qui vivent en essaim, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'avoir une abeille toute seule, une abeille domestique toute seule, elle ne peut pas survivre. Elle a besoin d'avoir ses 40 000 ou 60 000 frères, enfin sœurs surtout, et une reine. Et donc les hommes ont pris ces essaims, et pour que ce soit plus facile de récolter le miel, on construit des ruches. Alors, il y a eu toutes sortes de ruches au fur et à mesure. Il y en a eu dans des troncs. D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, votre grand-père, s'il avait... Je sais que dans le coin, dans le Vercors, il y avait des ruches dans des troncs de châtaigniers, par exemple. Et il y en a eu dans des jarres, il y en a eu dans des tubes en paille. Et depuis maintenant presque 100 ans, on fait des ruches en bois, comme ça. Donc, les saints... Sa partie de vie, c'est ici. À l'intérieur, là, il y a des fines rayons, voilà, qui sont des cadres de bois dans lesquels les abeilles viennent construire des rayons de cire. C'est là où va habiter l'essaim. C'est là où il y aura les naissances. C'est là ce qu'on appelle le couvain, c'est-à-dire les larves. Les magasinières. Oui, dans les abeilles, il y a les magasinières, les nourrisseuses et les butineuses. Tout à fait. Alors, elles habitent ici. Au-dessus, c'est là où elles vont faire leur réserve de miel. Et c'est là que l'apiculteur va venir récolter le miel. Cette partie-là, on l'appelle la hausse. Donc ça, c'est le corps de la ruche, ça c'est la hausse. Après, il y a un petit couvre-cadre et puis le toit. Pour fabriquer un rayon, à un moment donné de leur vie, les abeilles se mettent à produire de la cire. C'est des fines lamelles de cire très très minces, très petites, qui sortent de leur abdomen et elles le prennent dans leur bouche, elles le mastiquent. Et
elles le collent les unes aux autres, puis elles font monter dans une forme, chaque épaisseur fait 1/20 de millimètre, elles forment des sortes de tubes, et puis après il y en a qui se mettent à battre des ailes très très fort pour faire monter la température à 45 degrés. À ce moment-là, la cire fond et les tubes se collent les uns aux autres, donc ce qui était rond devient hexagonal, et c'est pour ça que les rayons sont en forme d'hexagone comme ça. Ah ouais. Ben oui, c'est vrai. Le monsieur, il a créé le stylo bic en regardant la nature avec et il a vu que en regardant les ailes des éoles de en regardant la nature parce que ça vient au même un peu. Hein. Dans la nature, il a regardé les rayons. Oui, dans la nature et comme les rayons ils sont en hexagone, mais ça prend moins de place dans la trousse qu'en rond. Exactement. C'est la structure la plus solide et qui prend le moins de place dans la nature, c'est l'hexagone. Tout à fait. Mais c'est un hexagone avec les alvéoles des abeilles. C'est ça, c'est ce qu'elle dit. Hexagone, donc c'est 6 côtés, hein, on est d'accord. Pendant ce temps-là, notre ami le lombric, lui, il fait des trous, donc on en a parlé, qui permettent à toutes sortes d'autres animaux d'habiter. Des scolopendres, d'autres espèces de vers, des scarabées, C'est quoi le truc tout blanc? C'est une larve de colombole. Mais c'est quoi le truc qui ressemble à un scorpion? C'est un microscorpion. Figurez-vous qu'il y a des microscorpions dans le sol. Oui, on en a vu. J'en ai vu quand je me promenais chez moi. Vers chez moi, il y a un grand pont, il y a une rivière. En fait, il y avait une famille qui se promenait qui avait cru que c'était un scorpion. Et ils avaient raison, mais en fait, j'ai dit qu'il n'y avait pas l'odeur, du coup, ça n'en était pas un. Mais en fait, c'est un mini scorpion. Ah non, mais c'est pas mini, c'est micro. Vraiment très, 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 ah oui, c'est plus cher. C'est comme ça. Je sais. Je vois. Alors, là, je voulais raconter comment, en fait, ils se reproduisent. Dans chaque ruche, une reine. La reine, elle est beaucoup plus grande que toutes les autres abeilles. Son corps est différent. Elle va voler une seule fois, la reine. Ou à peu près. Oui, elle va voler une seule fois. Quand elle sera née, qu'elle sera en âge de voler, elle va prendre son envol un beau jour de printemps où il n'y a pas de vent, où il fait assez chaud. Et elle va partir dans le ciel pour ce qu'on appelle un vol nuptial. Et là, il y en a trop. Mais ça, tout ça, les petits points, ce sont ce qu'on appelle des faux bourdons. C'est-à-dire des abeilles mâles. On la voit ici, l'abeille mâle, en train de féconder la reine. Ça veut dire qu'il est en train d'introduire du sperme, un peu comme tout à l'heure le pollen venait féconder pour faire des fruits. Il introduit son sperme dans le corps de la reine qui va s'en servir, elle, pour émettre des œufs qui porteront des bébés. 3000, excusez-moi. Alors, je dis il y en a trop parce que ce documentaire, on va le corriger. Donc, ça, c'est encore une version de travail, on va dire, une presque finie. Mais quand j'ai dit au dessinateur, quand moi j'ai donné des indications en disant il y a des centaines de faux, des vols de faux bourdons qui crée des nuages dans le ciel, il a fait tout ça. Mais il y en a quand même trop, donc j'ai dit enlever des faux bourdons. Donc dans la version définitive, il y en aura moins. Et la reine est fécondée par une dizaine de faux bourdons dans ce vol nuptial. Elle va engranger dans une partie de son corps qu'on appelle une spermathèque plusieurs dizaines de millions de spermatozoïdes. Elle va rentrer à la ruche et elle n'en sortira plus jamais jusqu'à sa mort. Et au fur et à mesure qu'elle voudra faire des œufs qui donneront des abeilles ouvrières, elle se servira d'un spermatozoïde et elle fécondera son œuf. Si elle ne veut que des mâles, elle ne fécondera pas l'œuf. C'est elle, à l'intérieur de son corps, qui décide de ce qu'elle va en fait produire comme œuf, de ce qui donnera son œuf. Pas comme les humains, exactement.
Et elle fait ça en fonction de ce que lui donnent comme indication les ouvrières, qui elles savent ce qu'il y a comme nourriture disponible. Et en fonction de la nourriture disponible, elle fera plus ou moins de mâles ou de femelles. Bon, ces pauvres faux-bourdons, ils n'ont pas une vie super, hein, parce que en dehors de ça, donc vous voyez, ils ont un corps un peu différent. Ils ont des très gros yeux pour pouvoir bien repérer la reine. Ils ont des antennes plus épaisses pour pouvoir capter les phéromones qu'émet la reine. Des ailes très puissantes pour pouvoir voler longtemps en attendant. Donc en fait, les faux-bourdons de toutes les ruches alentours se réunissent en nuages et la reine est fécondée par des faux-bourdons qui viennent d'autres ruches, ce qui permet le brassage génétique. Il a des grosses pattes bien puissantes pour pouvoir s'accrocher, mais quand il l'aura fécondé, son pénis va s'arracher de son abdomen et il va mourir dans l'eau. De toute façon, son pénis, c'est son sexe. Tu as un pénis. Je pense que tu es un petit garçon. Je ne me trompe pas. De toute façon, les faux bourdons, ils meurent. Parce que, à la fin de l'été, ils n'ont plus de rôle à jouer. Les abeilles les jettent dehors de la ruche. Donc, ils vont mourir de froid. Ils ne sont pas équipés pour se nourrir tout seuls. Ils ne sont pas équipés d'une trompe, ils ne peuvent pas aller boire le nectar, il faut que ce soit les abeilles ouvrières qui leur donnent à manger, et à un moment donné, elles arrêtent de leur donner à manger. Donc ils sont condamnés. En plus, ils sont plus gentils, les mâles, ils n'ont pas d'art. Ils n'ont pas d'art, exactement, ils ne peuvent pas piquer. Oh, mais bon. Mais de toute façon, les abeilles ne piquent que si elles sont vraiment menacées. Oui. Et là. Je te donne la bombe. C'est quoi le truc que je vois dans la terre, hein? C'est une pompe à vélo. Une pompe à vélo? Mais un petit dessinateur met des trucs dans la terre. Il y a toujours des trucs dans la terre. Si tu creuses, des fois, tu trompes. Alors, puis la nuit, mais pas une pompe à vélo. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais j'y trouve que si la reine, elle est facile à reconnaître, elle a un point blanc sur son thorax. Si l'apiculteur met un point blanc. Mmh. Mais c'est obligé pour la reconnaître. Mais souvent, ils leur mettent un point. De couleur. Oui. Mais naturellement, elle n'a pas de point blanc. Après sa naissance, à la naissance, elle attend une semaine après elle s'envole. Voilà. Vous voulez savoir comment ça se passe chez les vers de terre? Oui. Spermatozoïdes de l'un passent dans la petite réserve des ovaires de l'autre
l'inversement. Ils sont collés surtout par ces deux parties qu'on appelle des clypéums et qui produisent toujours du mucus. Ils vont les coller, ça dure 10 minutes, 20 minutes. Et puis ils se séparent, c'est fini. Chacun d'entre eux s'en va avec donc une réserve de spermatozoïdes dans sa partie femelle. Le clypéum qui est là va passer et glisser au-delà de la tête. Le spermatozoïde va féconder l'ovule et cette partie rose va fournir un cocon qui va se retrouver tout seul dans l'herbe avec dedans l'œuf fécondé. Ça fait la taille d'une tête d'allumette. Quoi ? C'est très résistant. C'est résistant à la sécheresse. C'est résistant, bon, si on marche dessus, ça s'écrase, hein. Mais c'est quand même beaucoup plus résistant que si c'était un petit ver de terre qui sortait là tout frais. Ça peut attendre, par exemple, s'il y a une période de sécheresse, qu'il se remette à pleuvoir. Et ça conserve donc un bébé pour les longer. Il y a certains vers de terre, comme ceux que vous avez vus dans le compost, par exemple, les tigrés, par exemple, qui font 400 cocons. Les vers de terre, les lombriques, ils en font très peu, ils en font un ou deux par an. Ok ? Alors, chez les lombriques, il y en a souvent un. Oui, mais sur d'autres vers, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, ben plusieurs. J'ai vu des cocons, où on voyait tout un petit entrelac de petits vers de terre. Ça, nous, on a vu des petits, mais on ne voyait rien. On ne voyait rien. J'ai vu des photos. Oui, on voyait un truc. C'est peut-être un lombrique. Oui. Du coup, c'est les deux, mâles et femelles. Voilà. Donc les deux font un cocon. Ils sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils portent les organes mâles et les organes femelles. Alors, ça c'était donc grandir. Ben, pendant qu'on est chez les vers de terre, quand ça éclot, le petit ver est tout blanc. Voilà. Il sort du cocon. Il ressemble à un petit fil de rien du tout, un petit fil blanc. Et en quelques heures, en un jour, il va devenir rose comme ses parents, il est ado là. Et quand il sera grand, au bout de quelques semaines ou mois, il aura à nouveau, lui, le clypéum. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un ver. On sait qu'il est adulte, voilà, quand il a cette petite bande rose supplémentaire. En captivité, il y a eu un ver qui a duré 10 ans, qui a vécu 10 ans. Enfin, c'est très, dans la nature, ça, apparemment, c'est très rare. Ça existe 100 ans ? Non. Donc, pas à ma connaissance. Oui. Se développent en elle et se mettent à travailler.
Donc, par exemple, du jour 1 au jour 2, la petite abeille qui naît, elle nettoie les cellules et elle chauffe le couvain en battant des ailes. Entre le jour 3 et 11, ses glandes nourricières produisent de la gelée royale qu'elle donne aux plus jeunes larves. Au début, tout le monde mange de la gelée royale pendant 3 jours. Du jour 12 au jour 17, elle se met à produire de la cire, comme je vous le disais tout à l'heure. Et elle se transforme en bâtisseuse de rayons. Elle transporte aussi de la nourriture dans la ruche et remplit les alvéoles. Ok ? Du jour 18 au jour 21, des glandes qui sont situées dans sa mâchoire, dans ses mandibules, lui permettent de produire des phéromones, c'est-à-dire des messages chimiques qui lui permettent de donner l'alarme s'il y a un intrus qui vient attaquer la ruche. Alors à ce moment-là, elle devient gardienne du trou d'envol. Du jour 22, je suis contente. Du jour 22 au jour 35 ou 45, elle fait ses premiers vols d'expérimentation autour de la ruche, puis elle devient butineuse et elle récolte de la nourriture et de l'eau. Et elle meurt. Donc elle vit 45 jours. Voilà, au maximum. C'est qu'elles travaillent beaucoup, elles sont très très fatiguées. Tu peux redire s'il te plaît, j'étais concentrée sur la naissance. Ah ben c'est dommage. Eh ben écoute, non, tu viendras le recopier après si tu veux. Okay. Là, okay. Merci. Alors, ce que je peux vous raconter aussi, c'est comment donc la reine pond une petite larve. Du 4e au 9e jour, dans une cellule qui reste ouverte, donc on peut imaginer une cellule comme ça, un ver sort de l'œuf et mange jusqu'à multiplier son poids par 900. Donc à la fin des 9 jours, il pèse 900 fois plus lourd que quand il était au départ. Du 10e au 20e jour, la cellule est fermée et dedans, il y a la nymphe qui se transforme. C'est la métamorphose, c'est-à-dire qu'elle passe de ver, elle devient un insecte. Création des pattes, création de la trompe, création des ailes, des intestins. Et quand elle sort le 21e jour, elle n'est pas un bébé abeille. Elle est un adulte parfait. Ça s'appelle un imago. C'est un beau mot, je trouve. Et donc, les cellules royales, elles sont, donc, qui vont donner les futures reines, elles sont un peu plus grandes. Là, elle n'est pas très bien placée parce que normalement, elles sont sur le côté des rayons, les cellules des reines. Et donc, les reines, elles ne sont nourries qu'à la gelée royale et elles se développent beaucoup plus. Et elles vont développer d'autres caractéristiques, et notamment la possibilité de produire des œufs. Pourquoi les autres, elles ne peuvent pas? Non. Il n'y a que la reine qui fait des bébés dans la ruche. La gelée royale, elle doit quelque chose. C'est juste que, je crois, j'ai remarqué, mais c'est pas pour d'autres abeilles, à chaque fois, il y a un trou dans la terre, comme il y a un endroit. Oui. Oui, je te dis, il y a un monde partout. Là, tu vois, c'est quoi? C'est un gant. Voilà. Un grand jardinier. Exactement. Moi, je perds toujours mes gants quand je t'en dis. Ouais. Mais il est où le gant? Je sais pas. À côté du bleu. Là, ici, je te le vois. Et mon stylo. Si les grands, vous avez envie de poser des questions, il n'y a que les enfants qui posent des questions. Mais c'est vrai, vous êtes fort bavard. Tu es fort intéressé. C'est intéressant, main sur l'écran. Hein. Et c'est pas notre voix que. Oui, alors vas-y, pardon. Alors comment on peut savoir, comment on peut savoir que ça se fabrique comme ça les rayons de la vue? Parce qu'on a regardé, en fait, on a pris un rayon, et on a regardé comment ça se passait de jour en jour. Oui, et ça fait des milliers d'années que les hommes s'intéressent aux abeilles. Ça fait des milliers d'années qu'on prélève du miel. Et déjà dans l'Égypte antique, au temps des pharaons, il y avait des ruches. Et donc ça fait très longtemps qu'on observe des abeilles. Alors il y a des choses qu'on a apprises très tardivement. Par exemple, la fécondation en vol de la reine. On a découvert ça à la fin du 19e siècle parce que ça se passait dans des endroits qu'on ne voyait pas. Et donc c'est resté longtemps un mystère. Mais ça, la façon dont les abeilles grandissent, on le sait depuis très longtemps. Depuis, en plus, on a maintenant des microscopes électroniques qui nous permettent de voir très très précisément et l'infiniment petit.
Donc, ce qui se passe dans une ruche, avec beaucoup de détails, des plumes. Je ne sais pas si c'est des agriculteurs ou si c'est dans la ruche, mais je crois que dès que tu bouges, tu as un petit bouchon avec de la cire dessus. Et qui sert à quoi? Je ne sais plus à quoi il sert. Va faire une bougie. Non. Un petit bouchon qui bouge pas. Je sais plus quoi, mais ça sert à terminer, je crois. Bon, alors là, c'est pas tout à fait assez précis comme information. on passe. Alors justement, tiens, faire le miel. Alors, faire le miel. Donc on récolte. Les abeilles, la butineuse, récolte du nectar. Elle remplit son jabot à l'intérieur. Elle peut transporter jusqu'à 70 ml de nectar. Elle-même, elle pèse moins de 100 mg. Donc elle transporte presque son propre poids. Et puis elle récolte aussi, comme je vous disais tout à l'heure, du pollen qu'elle stocke en haut de ses cuisses. On les voit quelquefois, les abeilles, sur les fleurs. On voit qu'elles ont des grosses touches jaunes. Hein, et c'est le pollen qu'elles rapportent à la ruche. Puis le pollen, elle le tasse dans certaines alvéoles. Ça va fermenter, ça va être fermé comme un pot. Et ça va fermenter, ça va donner une nourriture extrêmement riche, qui n'est pas la gelée royale. Et puis, le nectar qu'elles ont dans le jabot, dans l'estomac, elles vont le transférer à une autre abeille, par la bouche. Ouais, comment on pourrait se passer de la salive, par exemple. Et c'est ce passage d'une abeille à l'autre, pendant 5 ou 6 ou 7 abeilles, qui va faire le miel. Parce que à chaque fois que ça passe, ça transite par le jabot d'une abeille, et par sa bouche, ça récolte des enzymes. Et ces enzymes qui vont fermenter pour finalement aboutir au miel. Donc le miel, il est stocké dans des alvéoles, en réserve, pour l'hiver, fermé avec un petit bouchon de cire quand il est parfaitement à la bonne consistance. S'il est trop liquide, il y a des abeilles qui viennent battre des ailes pour faire évaporer l'eau. Et quand c'est fermé, et on a retrouvé justement dans des tombes égyptiennes du miel qui avait séché, mais qui n'était pas pourri. Le miel, ça pourrit jamais. En fait, ils ont mangé ce qu'ils ont trouvé. Non, on s'est servi pour savoir justement ce qu'il y avait comme pollen à l'époque, etc. Mais après, du coup, ils l'ont mangé. Mais non, c'est un monument historique, il y a plein de miel frais à manger, on ne mange pas de miel. Comment ils ont pu faire les abeilles pour faire du miel en Égypte? Ouais, il suffit qu'il y ait des abeilles et des fleurs. Et il y en a. Mais ça parle de la première page. C'est juste comme les abeilles, du coup, elles sont à peu près 5 millions d'années avant l'extinction des dinosaures. Non, elles sont... Oula. Alors, l'extinction des dinosaures, de mémoire, c'est 70 millions d'années. 65, si tu veux. C'est un expert. 800 000 ans. Non, c'est bien plus tard. Ah non, attends. 100 millions d'années, ben non, tu as raison. Alors, elles sont... Les dinosaures se sont éteints après que les abeilles soient apparues. Mais il y a 65 millions d'années avant. Non, après. Avant aujourd'hui, ça c'est sûr. Avant aujourd'hui. C'est à peu près la même époque d'ailleurs à laquelle apparaissent les fleurs. Les fleurs et les abeilles apparaissent à peu près à la même époque. Et se développent en même temps. Oui. Et c'est aussi un lézard. Quoi ? Il y a aussi un lézard. Et des lézards aussi ? Non, c'est juste qu'il y a un lézard là sur les oreilles. Ah oui. Oui, il y a plein de choses. Elle a peur des lissons. Ils n'ont rien caché. Vous voulez savoir comment je les vais comment manger les lézards ? Ils ont caché. Non, j'ai une question. Là, dans le carré jaune, il y a écrit un trésor de grotte. Ah. Parce qu'en fait, la terre, c'est des grottes. Non, mais. Mais c'est bien aussi de vous dis ce que je sais moi, puis après si vous voulez vous compléter.
exemple, l'erreur dans le dessin. Parce que les lombriques sortent de leur galerie la nuit, s'allongent, restent accrochées par la queue, et s'allongent très très loin pour aller chercher des petits morceaux de feuilles ou des petits morceaux d'insectes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils captent, ils aspirent en fait un petit morceau de feuille, et ensuite ils la ramènent dans leur galerie. Et comme ils n'ont pas de dents, pour pouvoir manger quand même, ils font travailler plus petit qu'eux, c'est-à-dire les bactéries et les microbes. Donc ils laissent les morceaux de feuilles dans la galerie, à pourrir si vous voulez. Les micro-organismes dégradent les feuilles, et quand ils vont absorber la terre, ils vont absorber en même temps tous ces nutriments. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont le rejeter à l'autre bout sous forme de crottes. Et ces fameuses crottes, elles sont, on appelle ça des turillons, elles sont extrêmement riches en minéraux et ça va faire ce qu'on appelle l'humus dans la forêt, par exemple, qui donne une terre noire, très très, à la fois légère et riche, et qui va permettre la croissance des plantes. Et c'est pour ça que c'est très important dans des potagers, par exemple, de garder ces vers de terre pour qu'ils puissent faire plein de crottes et que la terre soit souple pour permettre aux racines des plantes de venir percer la terre et même de venir dans les galeries pour aller chercher de l'eau et des nutriments. Adieu. Ah oui, aïe. Alors là, je voulais parler de tous les prédateurs, en fait, tous les dangers qui menacent nos deux héros, là. Alors, parmi eux, bon, il y a l'ours, dont on sait qu'il est un grand amateur de miel, qui vient non seulement manger le miel, mais en fin d'hiver, il a besoin de protéines. Donc il vient quelquefois manger les couvains, tout ce qu'il en reste, il vient manger les rayons. Il y a les araignées, ce qu'on appelle les araignées crabes. C'est qu'un échantillon. Hein. Il y a énormément de prédateurs des abeilles, mais les araignées crabes, elles ont cette particularité de pouvoir changer de couleur. Maintenant que je sais qu'elles existent, j'en ai vu dans mon jardin. Par exemple, sur une fleur jaune, alors elles s'installent toujours sur la même fleur, et sur une fleur jaune, elles deviennent jaunes. En 2-3 jours. Si elles changent de fleur, elles changent de couleur. Et alors elles sont invisibles, elles se chassent à l'affût, c'est-à-dire qu'elles se tiennent immobiles. Et quand une abeille se pose pour butiner, elle l'attrape, elle la morde et elle la digère. Le sphinx, ce beau papillon-là, le sphinx tête de mort, c'est un papillon de nuit qui rentre dans les ruches. Et son corps est couvert de poils, poils très épais, très drus, et les abeilles ne peuvent pas le piquer. Et il vient dévaster lui aussi les couvains, manger les larves. Ici, on a un très bel oiseau qui s'appelle le guépier d'Europe, qui a une spécialité, c'est par exemple d'attraper les rennes pendant leur vol nuptial. Mais il peut aussi les rennes, les abeilles rennes. Et il mange aussi beaucoup de guêpes, comme son nom l'indique, mais beaucoup d'abeilles aussi. La guêpe, alors la filante apivore. La filante, c'est une. Alors, elle a un corps qui ressemble beaucoup à la guêpe. Elle pique avec son dard l'abeille sous la gorge et elle l'emmène se dissoudre. Et quand elle est bien dissoute, en fait, quand elle est bien ramollie, elle la donne à manger à ses propres larves. C'est bizarre. Et puis, vous avez le tueur, ce que j'ai appelé le tueur en série, c'est-à-dire le frelon asiatique, qui lui est donc un. Donc, nous, on a des frelons d'Europe, hein. Les frelons d'Europe, effectivement, ils attaquent les abeilles, mais deux ou trois frelons asiatiques peuvent ruiner une ruche parce qu'ils décident les abeilles à un tel rythme. En fait, ils volent en vol stationnaire. Quand les abeilles reviennent à la ruche avec leur pollen ou quand elles s'envolent, ils foncent dessus. Quelquefois même, ils roulent au sol. Ils leur coupent la tête. Ils leur coupent les ailes, ils leur coupent les pattes, et ils vont porter leur corps, après l'avoir bien mâchonné, à leur propre larve pour les nourrir. Est-ce que tu crois que toi tu l'appelais le tueur en série? Ouais. Décapitaire. Oui. Mais en fait, j'ai pas
pas si je suis vite pour les pois. Bah, en fait, alors, la... pois et pois, ça c'est tous les animaux qui attaquent les abeilles. Il est là, tu vois, là il y a une petite abeille et puis il y a le gros frelon qui est en train de faire son... de la décapiter. Et en fait, c'est le qui ressemble à une abeille, en fait. Mais comme on a beaucoup agrandi, c'est un peu moins précis. Les ennemis des vers de terre sont assez nombreux aussi. 5 minutes, ok. Et ben, peut-être on va finir dessus. Donc, on a tous les oiseaux. Ça va de la mouette au merle, au rouge-gorge, à la pécasse. Enfin, il y a un nombre d'oiseaux incroyables qui se nourrissent de vers de terre. Là, on voit un merle qui est en train de tirer sur un vers de terre, donc quand ils sortent, ils les happent, ils creusent le sol d'ailleurs pour aller les chercher. Et le vers de terre résiste. Moi, j'ai eu des photos où le vers de terre a accroché sa petite soie sur le bord et il essaye de tirer. Et l'oiseau le tire jusqu'à ce que son corps cède en fait. Les batraciens, là, on ne voit pas bien, mais là, ici, il y a un crapaud. Et alors, les crapauds, leur technique à eux, c'est qu'ils ont une langue collante, donc ils envoient leur langue sur le vers de terre, ça le colle et blop, et l'avale. Les sangliers mangent énormément de vers de terre. On ne sait pas si en fait ils mangent, ils cherchent surtout les vers de terre. Il y a des chercheurs là, qui se sont penchés sur l'estomac des sangliers pour essayer de savoir si vraiment ils allaient chercher les protéines des vers de terre. Donc, avec leur groin, ils fouissent la terre, ils soulèvent les herbes et ils vont chercher donc tout ce qu'il y a comme nourriture dessous, mais ça peut être aussi des très petites bêtes, toute la faune et qui vit dans le sol. Et au passage, donc, ils mangent énormément de vers de terre. Un grand ennemi du vers de terre, c'est la taupe. Voilà, et surtout elle va beaucoup plus vite que lui. Un vers de terre, quand il est à fond, il fait 2-3 cm par seconde. La taupe, elle en fait 80. Donc elle circule, la taupe fait des galeries, et elle circule dedans à longueur de journée. Et dès qu'il y a un vers de terre qui a le malheur de croiser son chemin, elle a des dents très pointues, et cronc, elle mange. Et les taupes, elles font même des réserves de vers de terre pour l'hiver. Elle leur touche le système nerveux. Ah ouais. Oui, effectivement, j'ai appris qu'elles les coupaient en morceaux et qu'elles en faisaient des petites boules qu'elles mettaient au frais à rafraîchir dans un coin de galerie. Et quand la nourriture manque, elles vont chercher. Voilà, elles vont ouvrir leur frigo. Ouais, qu'est-ce que j'ai à manger? Tiens, des vers de terre. Une dernière? On va terminer par lui. Alors ça, c'est des vers qui, comme tueurs en série. Ouais, comme les frelons asiatiques, merci. Sont des importations, donc c'est des espèces invasives. Ça s'appelle des plamettes peintes. Et c'est des vers qui font 40 cm, qui sont tout plats, avec une tête souvent triangulaire, et qui sont invasifs en France, et qui sont des destructeurs absolument insensés. Alors eux, pour le coup, ils dissolvent le système nerveux des vers de terre, ils dissolvent leur chair et ils en mangent des quantités incroyables et ils sont en train d'envahir la France. Voilà, ils sont accueillis dans des poteries ou dans des pots de plantes importées et c'est une catastrophe. Les biologistes sont très très inquiets. Ils n'ont pas le droit de prédateurs. Ah, mais du coup. Hormis faire des galeries d'aérer la terre, peut-être juste ça, mais. Ouais. Peut-être. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, si on en trouve dans son jardin, il faut prévenir les biologistes. Il y a un site internet. Je vous en prie, monsieur. La communication entre les abeilles.